Hallo, ich heiße Jessica Blum. Ich bin eine Erasmus-Studentin. Ich möchte Sie gerne raten lassen, aus welchem Land ich stamme. Heute spreche ich über Pokémon. Bonjour à toutes et à tous. Je vais parler dans la langue dans laquelle je suis la plus à l'aise. Je m'appelle Jessica Blum. Je suis une étudiante Erasmus. Je vous laisse deviner de quel pays je viens, même si vous vous en doutez sûrement à cause de mon accent. Aujourd'hui, je vais parler de Pokémon. So, Pokémon ist eine Application, die sehr berühmt ist. Es hat schnell viel Erfolg gehabt. Ich mag an Pokémon spielen. Übrigens habe ich einen Pokéstop in der Nähe meines Zimmers. So, es ist sehr gut. Mein Lieblings-Pokémon sind die Pokémon, das ich just finde, wie Evoli oder Vulpix, Goopix in Französisch. Die Pokémon-Namen sind oft unterschiedlich zwischen Deutschland und mein Land. Ich finde, dass es lustig ist. Pokémon est donc une application très connue. Elle a eu rapidement beaucoup de succès dans beaucoup de pays différents dans tout le monde. Donc je trouve que c'est très intéressant de voir à quel point ça a eu du succès. J'aime jouer à Pokémon de temps en temps. D'ailleurs, j'ai un Pokéstop qui n'est pas très loin de ma chambre, donc ça me permet de recharger toutes les Pokéballs. Mes Pokémon préférés ne sont pas les plus forts, et ce sont au contraire ceux que je trouve mignons, comme Evoli ou Goopix. Et pour finir, les noms des Pokémon ne sont souvent pas les mêmes en allemand et dans ma langue maternelle, et je trouve que c'est amusant de voir ça. So, jetzt möchte ich an Sie das Lied auf Pokémon in Französisch machen zu hören. Die Lyrics sind unterschiedlich zwischen Deutsch und Französisch, ich denke, aber vielleicht können Sie ein bisschen verstehen. Ich ende hier, selbst wenn es nicht fertig ist, weil für die Personen, die nicht Französisch verstanden, es ist vielleicht kompliziert. Und ich hoffe, dass es ein bisschen Personen, die Französisch sprechen, gibt. Und ich übersetze nur in Französisch. Donc voilà, c'était la chanson de Pokémon en français. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent et j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu les paroles. Donc je vous dis peut-être à une prochaine fois. Bis bald!